d'échauffement d'avant-course. Exactement. Ben bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo. Alors ce matin on est parti très tôt du lycée, on est parti entre 7h et 7h30. Ensuite on a fait 6h de route pour venir jusqu'à Besançon. Et là on s'est installé tout à l'heure, on a fait le briefing, débriefing. Là on est chaud patate, on va partir d'ici 20 minutes, on est parti. On est là, c'est... on est prêt. Ce soir on fera CO urbaine, ensuite on fera un mur... Ça va être de la grosse montée et ensuite on aura un Orient chaud, c'est une petite CO toute mignonne. Avis sur ce qui va se passer ce soir? Attends, non. Je sais pas quoi dire. Allez, rapide. Bon Almir, ton ressenti à froid? Eh bien écoutez, c'est un départ maîtrisé comme on dit. Un poinçonnage efficace, rapide. L'équipe est au complet, on est prêt, on se dirige doucement vers la balise numéro 1. Donc voilà, nous sommes en train de construire notre itinéraire vainqueur je l'espère. A tout de suite pour plus d'informations. Vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, mass spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Bonsoir, est-ce qu'on peut avoir votre avis du coup? Vous avez le vertical, il est pas volé. La première étape, comment c'était? Incroyable, la vue à la fin quand on arrive en haut. Ouais, la vue magnifique. Trop beau. Ouais. Coucher de soleil. Comme un lundi. Bon, en tout cas, bravo à vous. Merci. Oui. Alors. Léo, un petit... C'était compliqué. Un peu dur à traquer, mais ça allait. Ouais. C'était sympathique. Un beau circuit. Parfait. Ça va être dur. Dur. Je pense. Comment ça va se passer aujourd'hui? Oui. Non. Bah aujourd'hui on part sur une grosse journée. 7 heures de course non-stop avec repas à la fin. Du coup on va voir pour se gérer, pour pas lâcher et garder un bon rythme tout le long. Alors la nuit a été courte mais bon elle a permis de recharger les batteries quand même. Là maintenant c'est 9h30, on va partir sur le VTT. Et normalement, il y en a pour jusqu'à 4h de l'après-midi à peu près. Départ dans 30 secondes, vous avez la pression? Non, ça va. Ça va?
Alors voilà, nous sommes arrivés au premier ravitaillement. Une deux balises omises, mais volontairement. On espère être à l'heure toutes les portes horaires. Voilà, une bonne première partie de raid après ce prologue fructueux. On espère performer encore et encore. Tel de bons lausiens. Les demi-tours sont très fréquents dans Raid VNSS France 2022 à Bezac, Besançon pour les intimes. Donc voilà, on est en train de... Marianne a une intuition intelligible, je pense. Elle est en train d'exalter ses savoirs et ses efforts avant qu'elle tombe dans les pommes, je pense. Voilà, nous sommes dans une cité médiévale qui s'appelle à Besançon, donc. Sur les remparts, on fait une dernière CO. C'était une épreuve surprise, mais il se trouve que c'était une CO urbaine, ou plutôt une CO médiévale, on peut dire. Et donc voilà, il nous reste actuellement 4 petites balises que Marianne va nous torcher en moins de 6 minutes. Donc voilà. Robin, ressenti sur cette journée ? Dur, éprouvant. Très éprouvant ? Ouais. Heureusement que c'est bétoquine. Ouais. D'épreuve, Léo, c'était comment ? Fin des KO, c'était compliqué. Il a fallu tirer un bon bout de temps. Et franchement, pas de la préparation. Ouais, allez, Marianne. Bon les gars, c'était comment le rappel ? Au top, c'était bien, génial. C'était bien pour finir toute cette aventure, enfin toute cette journée surtout. Ouais, vraiment, ouais. C'était vraiment cool. Bonjour, où sommes-nous ? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui ? Alors, journée 2 du championnat de France de raid lycée. On est devant la citadelle, devant le front Saint-Étienne où les élèves font la section 16. Donc voilà, pour l'arrivée de cette deuxième journée.
Robin, troisième jour. Ah mais tu filmes là. Bon anniversaire. Merci. Une fois plus. Possible. Bon. Possible. Qu'est-ce que le jour et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui une épreuve essentiellement en trail à pied. Donc on a 43 bornes il me semble de parcours, dont 20 à pied. Donc voilà, il va falloir qu'on pousse, qu'on tire, qu'on sue à la force de nos quadriceps. Mais on va réussir. Aussi des épreuves aquatiques comme du canoë kayak, il me semble 4 km. En gros sur un système de run and bike, c'est-à-dire qu'il y en a qui font du trail, d'autres du canoë par groupe de deux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. La pagaie est à la portée de nos mains, de nos muscles. Le futur est entre nos mains. Première épreuve. Allez, bon courage. Ressenti d'avant-course. Ça va, hein, tranquille. Hein. Vous êtes concurrent à une autre chaîne télé qui nous a déjà interviewé, on peut pas vous répondre. Ouais, c'est Radio Méco. C'est la concurrence. Comment le canoë? Là c'est lourd. Là c'est lourd. Et c'est bon. C'est fini. Ça vous partez pour combien de kilomètres? 5 km normalement. Allez. Thank you.